Emmanuelle Orange. Je suis la chanteuse d'Eden 106. Salut les frères du son. Salut. Moi, c'est Guy. Je suis dans Eden 106. Et je suis guitariste pour Eden 106. On parle avec Emmanuel Orange et Emmanuel, dis-nous donc comment vous vous êtes rencontrés, Eden 106. On parle aussi de rencontres de deux mondes, si on peut dire. Emmanuel Orange et Eden 106, avant c'était pas tout à fait la même formule. Il y avait le quartier des papillons souterrains. En fait, c'est que il y a de cela jadis, il y a Guy Pelletier et Jean-Philippe Savard, et bon, d'autres personnes qui ont commencé un groupe qui s'appelle le Quartier des Papillons Souterrains. Il y avait une autre chanteuse. Puis à un moment donné, il y a certaines personnes de cette formation-là qui sont parties, puis moi, je suis arrivée, puis on a changé de nom, et c'est devenu Eden 106. Il croit qu'il y a quelque chose! Mais c'est parti. Puis on parle aussi des textes, tout ça. J'ai fait un peu de recherche, j'ai su que tu es inspiré de rêves, tu es inspiré aussi parce que tu as suivi des cours de langue et tout ça. Comment c'est venu, les textes de différentes langages, de différentes langues et de finalement toutes sortes d'influences? C'est quoi, d'où ça sort tout ça? C'est quoi ton parcours derrière ça? Aïe aïe! C'était comme 15 questions en même temps. Attends. Premièrement, les textes. À la base, l'idée, c'était de faire des textes poétiques, des textes inhabituels, avec une musique qui se veut plus pop, qui se veut accessible. Donc, présenter des textes inhabituels dans ce contexte-là. Fait qu'au départ, on a essayé d'intégrer des textes de poètes, des textes de poésie, dont un de Gilles Vigneault. Sur notre idée très plantendre, on a une pièce qui s'appelle « Les hautes profondeurs du ciel ». Et c'est un poème que Gilles Vigneault a écrit, que lui-même n'a jamais mis en chanson. On a obtenu les droits, fait qu'on l'a utilisé. Et plus récemment, on a une pièce qui s'appelle « Noir ». Et c'est une poète contemporaine, c'est une poète qui a mon âge. Elle s'appelle Renée Gagnon, elle a gagné le prix Émile Nelligan en 2005. Puis c'était pour pousser la poésie qui, des fois, a comme une vie plus en marge, puis de l'amener dans un contexte plus pop. L'idée des rêves dont tu parlais tantôt, c'était qu'à un moment donné, on s'est rendu compte, moi et Guy Pelletier, que on ne savait pas au départ, mais on a un point en commun, on se souvient vraiment, vraiment beaucoup de nos rêves. Super clairement. Puis on en parle un peu de la même façon. On utilise un vocabulaire très similaire. Puis, on avait un problème aussi par rapport à ça, c'était qu'on trouvait que à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui nous était présenté artistiquement, qui parlait des rêves, ou qui représentait un rêve, ou quelque chose comme ça, on trouvait que... En tout cas, moi, je trouvais que ça représentait jamais ce que je vivais quand je rêvais. C'était tout le temps soit nébuleux, ou flou, ou nuageux, ou genre... Puis moi, j'étais là, mais moi, quand je rêve... C'est pas comme ça que je ressens mon rêve. Fait que c'est de l'intégrer un petit peu dans ce qu'on écrit, la sensibilité du rêve, le zapping. Quand tu rêves, tu passes d'une place à l'autre ou d'un moment à l'autre, vraiment de façon ultra drastique. Mais comment tu le vis quand tu rêves, c'est super fluide. C'est super... la transition est comme... Tu la ressens pas. C'est juste quand je te raconte mon rêve que là, tu vas faire « Ah, c'est fucké, c'est fucké! » Fait que c'est d'intégrer ça à la fois dans les textes, à la fois dans la composition musicale,
des ambiances ou des mondes, je sais pas trop, éclectiques, mais qui coulent. Toi, étant donné, Guy, que tu es toi-même technicien sonore et tout ça, ça doit donner une latitude plus grande au niveau de la création, ça, d'avoir ce contrôle-là, si on peut dire, au niveau sonore. Ben, ce que ça donne, c'est une, je dirais que c'est une conscience un petit peu plus grande. Là, je veux pas être prétentieux non plus, mais le fait que je travaille continuellement à écouter des comédiens travailler, des comédiens qui donnent des textes, je suis hyper attentif à la moindre syllabe. Puis il n'y a pas de recette pour les émotions puis pour la composition, ça n'existe pas. Il n'y en a pas de recette, mais il y a quand même une sensibilité qui se développe avec le temps. Puis moi, je me pense assez sensible à la moindre inflexion. Puis Emmanuel le sait, quand on travaille, on retravaille, on travaille, on travaille les inflexions. Puis disons que c'est ça que ça donne. Ça peut paraître technique un peu, mais je pense que c'est pas ça. C'est plus des outils qui me permettent de comprendre qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que c'est que j'ai ressenti sur telle inflexion. Je suis capable de comprendre, puis peut-être même de répéter des choses. Donc, je vais être capable, ultimement, d'offrir quelque chose au spectateur aussi. J'arrive avec une personne comme ça, après avoir cherché pendant un an une nouvelle collaboratrice, une personne qui a cette intelligence-là, l'intelligence des langues, l'intelligence des niveaux de langage aussi. Parce que quand on fait nos spectacles, on passe consciemment de différents niveaux de langage, même en français, parce qu'on peut parler de différentes façons. Moi, je parle comme je parle, that's it, mais j'ai quand même une conscience des différentes façons qu'on peut utiliser pour s'adresser au public. Puis avec lesquels on peut traiter le texte. Alors, j'aime ça avec Emmanuel parce que on travaille les textes, puis je suis vraiment à l'écoute du texte, plus que même de la musique que je voudrais pousser dedans. J'écoute le texte, puis j'essaie de voir qu'est-ce que les mots vont nous donner. Puis l'expérience, c'était Pialouchka sur Triple Entendre aussi, justement, on a vraiment travaillé juste avec le texte, jusqu'à temps que le texte commence à donner des contours mélodiques, tranquillement, pas vite, puis on va continuer. Voilà. On est un peu le cul entre deux chaises parce que ce qu'on fait, comme Manu dit, c'est pas du top 40, mais là, moi je vous dis en joke aussi, c'est pas du bottom 10 non plus qu'on fait, c'est dans le sens où, ouais, c'est sûr qu'on est vu comme un band qui est dans la marge, etc., mais je pense pas qu'on est non plus là, ou on n'est pas non plus un band de musique actuelle exactement, parce qu'on le sait, on a souvent la réaction que c'est pas, pour les gens qui font de la musique actuelle, ce qu'on fait c'est trop pop, parce que couplet, refrain, bridge, couplet, refrain, on s'amuse à faire ça, puis des gens qui font de la pop et qui connaissent la pop, qui savent exactement comment on construit un objet musical pop, ils vont bien sûr entendre la structure, mais tout ce qu'on y met dedans, ils vont dire non, 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 non. Ils vont dire ça, ça jouera jamais chez Jean Coutu. OK? Alors, donc, on est un peu entre les deux. Cependant, on sait d'expérience que lorsqu'on joue en spectacle, là, il se passe quelque chose chez les spectateurs. Puis nous, on ne sait pas nécessairement, on est un peu conscient de ça, mais on sait que les spectateurs apprécient, quand ils viennent nous voir en spectacle, ils apprécient beaucoup qu'est-ce qu'ils découvrent tout à coup. Et ils se posent plus la question à savoir « c'est-tu pop ou c'est-tu actuel? » Ils se posent pas cette question-là. Ça devient une question qui est non pertinente, qui est irrelevant. Ils comprennent que Eden 106 vient juste comme offrir quelque chose de différent, mais qui n'est pas indigeste. Là. On travaille beaucoup pour être digestible. Moi, je vais au magasin, je vais chez Archambault, puis ce que je magasine, personnellement, je cherchais une interprète que j'adore, une interprète de Schubert incroyable, qui est Maria Joan Pirèche, qui est une pianiste qui me fait capoter. Je suis dans le magasin, puis il n'y a pas un asti de chat. Fait que là, je me dis, comment ça se fait qu'il n'y a personne dans la section classique? Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans la section contemporaine? Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans la section électronique? Comment ça se fait qu'il n'y a personne dans telle section? En fait, je pense que il y a un band des amis à nous, Akido. Akido, ils ont fait une chanson qui s'appelait Monoculture. Puis nous autres, on véhicule pas ce genre de pensée-là dans Eden 106, mais quand même, moi, personnellement, je suis bien touché par cette pièce-là d'Akido, Monoculture, parce que ça parle d'un grand problème qui est la monoculture, c'est-à-dire monosport, monostyle de musique, mononourriture. Alors, tu me demandes
qu'est-ce que je pense pour l'industrie du disque? Je suis désolé, mais moi, je serais presque intraitable parce que je dirais que les responsables, les gens qui font les programmations dans les médias, sont souvent les mêmes qui font la diffusion de l'art. C'est souvent les mêmes propriétaires des consortiums puis tout ça. Alors, moi, je suis désolé, mais si les disques classiques ne se vendent pas chez Archambault, si la musique électronique ne se vend pas parce qu'elle se télécharge plus, si la musique contemporaine et même la musique pop se vend moins, je pense que les responsables sont ceux-là même qui sont inquiets pour leur industrie parce qu'en fait, c'est toutes les mêmes. C'est tous des actionnaires de tous les mêmes consortiums qui contrôlent tout.